Hello à tous, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo un peu particulière, j'ai une idée de concept un petit peu, entre guillemets. Je me suis dit, dans un monde post-apo, c'est la fin du monde tout ça, où je suis sur une île déserte, quel jeu j'emmène et pourquoi? J'ai fait une petite liste de 5, et j'ai appelé ça si je ne devais en garder que 5. Avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, c'est toujours cool pour le référencement YouTube, et puis le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, bien sûr. On va commencer sans plus attendre. On va enlever l'éléphant au centre de la pièce, comme on dirait. Donc évidemment, le premier... Ah, j'ai les jeux en physique, stop. Le premier, évidemment, Ark Nova. Sans grande surprise, je le mets en premier parce que c'est tellement évident que voilà. Mais quand même, ma dernière vidéo sur le sujet date un petit peu. Et bah, j'y joue toujours régulièrement. À deux, principalement, même exclusivement en fait. Et voilà, j'en ai toujours pas fait le tour, entre guillemets. Alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que ma façon... Enfin, mon niveau de jeu, on va appeler ça comme ça, mon niveau d'expertise du jeu bouge plus vraiment du tout. Mais par contre, je prends toujours plaisir à tester différentes combinaisons. Par contre, c'est vrai qu'après le championnat de France, du coup, que j'organisais avec Super Meeple, donc auquel j'ai pas joué... du coup, j'ai quand même observé d'autres joueurs, notamment des gens qui jouent qu'à ça. Clairement, il y a des gens qui ne jouent qu'à Ark Nova, ils vont se reconnaître, notamment un, n'est-ce pas Thibaut? Et bien, j'ai vu des nouvelles manières de jouer, notamment sur le positionnement dans certains zoos. Moi, je suis pas très bon sur les placements en général. Et là, j'ai vu des trucs assez imaginatifs et vraiment très cool sur la manière dont ils arrivent à remplir le zoo, atteindre des zones plus rapidement que d'autres. Ils connaissent vraiment tous les plateaux par cœur. Et donc, mine de rien, j'ai réutilisé un petit peu ces choses-là. Et ça m'a rappelé la première fois que j'avais fait la Coupe de France de Terraform Mars. Où j'avais l'habitude de jouer principalement avec les mêmes personnes. Et c'est vrai que voir des nouvelles façons de jouer, ça aide vachement aussi à tester des nouvelles choses, à s'améliorer. Donc voilà, Ark Nova, j'en ai toujours pas fait le tour. J'espère quand même qu'avant la fin du monde, il y aura l'extension Aquarius qui sera sortie, comme ça je peux l'amener avec, histoire de vraiment multiplier les possibilités. Mais voilà, Ark Nova à 2, éventuellement à 3 si quelqu'un insiste vraiment et qu'on peut jouer à rien d'autre, mais voilà, Ark Nova, ça sera le premier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, on a Dune Imperium. Alors, il y a toutes les extensions dedans, j'ai tout regroupé dans la même boîte. J'ai même mis des petits trays. Je sais pas si on va voir. C'est le bordel, ma boîte. J'ai même mis des petits trays pour les ressources, mais voilà, il n'y a rien de très custom. Protège carte sinon, évidemment. Donc voilà, tout passe parfaitement dans la boîte de base, c'est génial. Et donc, Dune Imperium, mais pourquoi? Parce qu'en fait, là, quand tu rajoutes les deux extensions... Alors bon, j'ai fait une partie avec toutes les extensions dimanche dernier. Et clairement, c'est le bordel, on va pas se le cacher, il y a tellement d'options de jeu que t'es quand même obligé de faire des choix et de complètement abandonner certains aspects. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que du coup, on perd quand même pas mal la pureté du jeu de base qui est de gérer pas mal d'aléas, mais dans un espace de décision assez restreint. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup avec juste Immortal, parce qu'en fait, Immortal, fondamentalement, ça rajoute juste des nouvelles cartes, ça améliore ton deck de départ, et ça, je trouve ça vraiment très cool. Et une nouvelle piste, en fait. Deux nouvelles pistes, la recherche et puis la piste à points. Mais en fait, ça ajoute pas vraiment énormément mécaniquement au jeu. Ça l'enrichit dans la partie deck building et ça rajoute des points plus stables et une piste de recherche qui permet de jouer à la fois avec le deck building et à la fois avec cette nouvelle piste, on va dire, d'influence. Mais du coup, on garde quand même vachement la pureté du jeu de base, même si effectivement sur la partie deck building, c'est vachement plus complexe maintenant. Et je trouve que c'est très difficile de gagner avec Immortal si t'as pas un deck qui a quelques synergies qui fonctionnent très bien. Mais voilà, c'est vraiment hyper riche, tu rajoutes X, c'est incroyablement riche et varié, et en plus avec le panel de personnages qu'il y a, si t'amènes en plus les fanmade, t'as des gens qui ont fait des persos fanmade, je suis pas fan de tous, je trouve qu'il y en a beaucoup trop, je pense qu'ils auraient dû en faire moins, et peut-être plus les équilibrer, mais il y en a qui ont l'air quand même très sympa, et puis ils ont fait des rééquilibrages de persos qui marchent pas très bien, notamment celui qui fait gagner une épice, là j'ai perdu son nom, au lieu de faire monter que 1 d'influence, il fait monter de 2 d'influence quand t'envoies ou au conseil. Donc pourquoi pas, c'est des petits rééquilibrages qui peuvent être cool. Mais voilà, le jeu est d'une richesse incroyable.
incroyable, j'en discutais justement avec quelqu'un avec qui j'ai joué. En fait, c'est quelqu'un qui a organisé, enfin, c'est plusieurs personnes qui ont organisé une espèce de petit tournoi un peu parisien dans un bar. Il y avait quand même 16 joueurs, hein, et j'ai vu un peu des choses que je vois sur Terraforming Mars qui sont Work Nova, des gens ne jouent qu'à Dune, ils jouent sur TTS H24 à Dune, et du coup, c'est marrant parce que. Aux États-Unis, il y a des vrais méta. Donc les méta, c'est un peu les univers de jeu et les mécaniques. Qu'est-ce qui marche ou pas dans un jeu, on va dire ça comme ça. Il y a des vrais méta qui sont créés. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties sur le sujet et tout. En France, le jeu, je pense qu'il est joué de manière quand même un peu moins compétitive. Mais bon, entre la Coupe de France organisée par Lucky Duck, et puis je vois qu'il y a quand même pas mal de quelques joueurs acharnés. Je trouve qu'il y a vraiment un environnement de jeu qui fait vachement plaisir. Et voilà, malgré moi ce que j'aime pas trop sur X, c'est le côté chaotique que ça rajoute et tout, on peut quand même pas nier que ça ajoute énormément de variabilité au jeu et que ça le rend presque infini dans les possibilités. Vraiment, chaque partie est tellement différente. Et voilà, moi sur le jeu de base, je dois avoir plus de 100 parties, quelque chose comme ça. J'ai joué pendant le confinement beaucoup. Et je m'en lance toujours pas aujourd'hui, surtout avec Immortal. En fait, Immortal m'a vraiment réconcilié avec le jeu. Donc voilà, clairement, ça fait partie des jeux que j'amène sur une île déserte ou en post-apo sans souci. Par contre, j'y joue qu'à 3 ou 4. Clairement, à 2, je vais sortir d'autres jeux. Donc voilà, Dune Imperium, ça sera mon deuxième jeu que j'amène. Ensuite, qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que j'amène? On va rester dans la thématique spatiale, même si là, elle est vachement plus abstraite. Bon, projet Gaïa, hein, ceux qui me connaissent, notamment de First Player, vont pas être très surpris. Ça fait longtemps que j'en parle pas. Voilà, ça reste. Alors, il y a zéro insert, aucune custom. Je trouve que tout rentre bien dans la boîte de base avec des sachets. J'avoue qu'éventuellement, un insert, ça aurait été cool. Voilà, à y penser avant la fin du monde, quand même. Sinon, on le fabriquera avec des imprimantes 3D encore en fonctionnement. Voilà, projet Gaïa, pourquoi? Objectivement, je considère que c'est le meilleur euro contrôlable jamais sorti. C'est incroyablement fin et ajusté techniquement. Il y a quelques petits déséquilibres sur des peuples. Il y en a qui sont vraiment trop faibles, moi je trouve. Ou alors, personne ne sait les jouer, mais voilà, notamment les glins et les robots fous, c'est très compliqué à jouer de manière compétitive. Je mets des guillemets évidemment, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait des compétitions sur le jeu, mais moi j'ai jamais joué de manière compétitive et ça me viendrait pas trop à l'idée. Pour la bonne et simple raison que, étonnamment, c'est un jeu qui a une optique hyper compétitive dans la manière dont tu joues et dans la manière dont tu gères tes adversaires et ton scoring. Mais pourtant, la faiblesse du jeu, bah justement, c'est lié à la façon dont tu répartis ces factions et au setup de base, sur la map de base qui est assez étrange à créer. Donc moi, j'utilise une appli qui randomise ça, mais clairement, ça va avantager certaines couleurs plutôt que d'autres, et puis même la manière dont les tuiles techno vont se positionner et autres vont avantager plutôt parfois certaines factions plutôt que d'autres. Donc voilà, il y a quand même un petit côté difficile à régler de manière compétitive, on va dire, mais bon, c'est pas très grave, hein, tous les jeux n'ont pas vocation à ça. Et puis voilà, sinon, à part ça, il est d'une variabilité incroyable, c'est vraiment un jeu où en fait, le jeu se fait quasi dès le début, avec ton choix de faction et la manière dont tu analyses le setup et la map, et en fait, ça va vachement conditionner la manière dont tu vas jouer ta partie, et les objectifs d'ailleurs aussi, au fur et à mesure. Et ça c'est vraiment incroyable. Je crois que c'est le jeu qui a l'analyse de début de game la plus critique et la plus complexe, j'ai envie de dire. Et voilà, et sinon, à part ça, mécaniquement, c'est incroyable. Il se joue aussi bien à 2, 3, 4. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le jouer à 4 pour la tension. Mais étonnamment, moi qui ai tendance à rechercher la tension, je trouve que déjà à 2, à 3, elle est déjà insane. Parce que ton puzzle personnel et tous les paramètres aléatoires que tu vas devoir gérer entre ta faction de départ et toutes les tuiles techno et les tuiles de scoring, c'est déjà beaucoup, moi je trouve. Voilà, c'est excellent, c'est renouvelable. Pareil, pendant le confinement, j'en ai fait entre 50 et 100 facile. Voilà, c'est un jeu qui a différentes strates d'expertise, entre guillemets. C'est vrai qu'au début, quand tu es plutôt un joueur confirmé d'Eurogame, on va dire que tu vas rarement dépasser les 140.
Après, quand tu commences à comprendre un peu plus le jeu, t'arrives vers les 160. Et après, quand tu comprends vraiment la méta du jeu et que tu vois qu'il y a quand même des ouvertures plus efficaces que d'autres, clairement, le tour 1, il y a des ouvertures. Il y a l'ouverture académique et grand classique, mais t'as l'ouverture de spread mine et une ouverture labo éventuellement aussi qui sont plus techniques. Mais voilà, il y a des vraies ouvertures quand même, on va pas se le cacher, selon la faction notamment. Mais qui sont passifs, qui sont quand même assez ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui font ouverture académie parce que c'est la plus simple. Mais il y a vraiment des factions ou des setups qui vont privilégier plutôt labo ou spread mine, qui est vraiment hyper efficace le spread mine, mais qui est plus dur à jouer parce que du coup il faut que les adversaires te bloquent moins et il faut avoir un setup de planète assez aligné, voire les tuiles booster aussi. Mais voilà, au-delà de ça, dès le tour 2, ça commence à être hyper ouvert et là il y a beaucoup de données à prendre en compte. Donc voilà, projet Gaïa, on s'en lasse jamais. Et donc oui, je disais que quand tu commences à connaître ces ouvertures, bah, tu arrives vers les 180, voire 200 sur les parties exceptionnelles, voire plus de 200. Là, c'est les parties vraiment très exceptionnelles où toutes les étoiles se sont alignées, toi tu as super bien joué, qu'en plus de ça, tout s'est très bien passé. Donc voilà, projet Gaïa, on s'en lasse jamais, on a toujours envie d'y jouer, pourtant étonnamment, il n'a pas d'extension. Donc voilà. Ça reste un jeu, un énorme classique, et pour moi, c'est, en termes de design pur, c'est le meilleur euro au moins des 10 dernières années. Donc voilà, projet Gaïa, incroyable. Ensuite, on va s'attaquer à un jeu qui n'est pas si loin de projet Gaïa et qui pourtant est très éloigné en même temps. C'est Clans of Caledonia. Ça, c'est assez incroyable parce que c'est un créateur pas hyper connu. Je dirais même que c'est peut-être même son premier jeu, ou en tout cas c'est son premier jeu édité. Ça a été auto-édité par Karma Game, donc la boîte qu'il a fondée. Et c'est chez Pixie en VF. Je crois que ça re-arrive bientôt d'ailleurs, parce que c'est introuvable en fait. Et je crois que c'est en reprint bientôt chez Pixie. Et Clans of Caledonia, c'est marrant parce qu'on sent qu'il a été très influencé par la mécanique principale de Terra Mystica et Projet Gaïa. J'ai un petit insert d'ailleurs dessus. Ouais, je digresse, hein. Pour dire que là, l'insert, je le trouve assez pratique. J'ai un petit insert en bois, très pratique. Je sais pas si je vais réussir à le montrer. C'est un peu le bordel, mon plateau. Hop. On va réussir, on va réussir, on va sortir ça. Hop. Un petit insert comme ça qui est bien pratique, notamment pour les tuiles de contrat. Je trouve ça n'importe comment à côté. Et bah, Clans of Caledonia, donc comme je disais, récupère une mécanique de Terra Mystica Projet Gaïa et il en fait un jeu radicalement différent. Donc en quoi il récupère la mécanique? Bah, déjà, tu as ces espèces de clans asymétriques, mais qui ont des effets un peu plus simples. Tu as ces bâtiments que tu poses au fur et à mesure et qui vont te débloquer des ressources différentes. Il y a aussi presque une mécanique d'influence un petit peu reprise qui est quand même très différente parce que là on fait pas bouger des tokens de puissance mais on peut avoir des réductions sur des achats mais c'est très beaucoup plus circonstanciel parce qu'il faut que ce soit à côté du bâtiment de la marchandise que tu vas acheter donc tu le fais quand même beaucoup moins que d'un projet Gaïa, c'est quand même moins majeur. Mais ça reste assez technique et intéressant à jouer. Et après, bah, les similitudes, ça reste presque là. Parce qu'en fait, les grosses différences, c'est que déjà, dans les terrains ont un coût. Donc, du coup, ça crée beaucoup d'interactions, notamment en début de partie, pour aller chercher les terrains les moins chers, pour développer plus rapidement. Il y a aussi cette mécanique de contrat et cette mécanique de marché. Et ça, la mécanique de contrat, c'est vraiment le truc central du jeu. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. C'est la façon dont le timing dans lequel tu vas faire ces contrats. C'est aussi presque son principal désavantage, on va dire, son principal défaut. C'est que parfois les contrats, ils ont un déséquilibre qui est un peu voulu, parce qu'il faut qu'il y ait une course à la recherche des contrats, mais parfois vraiment tu te retrouves trois ou quatrième joueur et en fait il n'y avait que deux contrats sur le setup qui étaient vraiment intéressants en termes de développement, parce que tu as des contrats qui font des points de victoire, mais en début de partie évidemment, tu as surtout envie des contrats qui vont te donner quelque chose en échange. Et parfois, ça manque un peu, ça. Ça peut créer un petit peu des petits déséquilibres. Donc moi, c'est vrai que souvent, sur le premier tour, on a tendance à mettre au moins un contrat de développement par joueur. Par développement, j'entends, qui est pas trop dur à réaliser et qui fait gagner de la thune ou autre. Mais voilà. Sinon, je trouve vraiment que ça peut complètement déséquilibrer. Le premier joueur peut se retrouver vraiment trop avantagé, même si c'est celui qui choisit son clan en dernier, quand même. Donc
C'est une petite house rule, hein. On met des contrats un petit peu faciles sur le premier tour, sachant qu'il y a quand même des contrats vraiment mieux. Donc le dernier joueur va quand même choper les meilleurs contrats, il n'y a pas de souci. Et puis il va avoir. Non, le premier joueur va quand même choper les meilleurs contrats, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Au-delà de ça, en fait, l'interaction du jeu fait qu'il est hyper rejouable. Entre ces clans que tu choisis au début, qui se jouent vraiment différemment, même s'ils sont s'ils ont des pouvoirs plus simples. Mais je sais pas, il y a quand même un truc, et puis toutes les configs sont vraiment hyper intéressantes à 2 ou 3 ou 4, moi je kiffe vraiment le jouer, la map s'adapte hyper bien au nombre de joueurs, et puis voilà, il est hyper intéressant, il est tellement technique dans le tempo dans lequel tu fais les choses, même la façon dont tu vas jouer, le marché, l'achat et la revente, je m'en lasse jamais, vraiment je le ressors très régulièrement, et j'en fais une partie avec plaisir, en plus de ça, Bah, t'oublies jamais les règles, c'est pas un jeu où t'as pas joué depuis un an et t'as complètement oublié les règles. Non, le jeu, une fois que les règles sont ancrées, il est hyper simple. Il y a aussi ce truc aussi où tu perds pas trop ton niveau de jeu, contrairement à Projet Gaïa, où quand t'as pas joué depuis un moment, tu vas faire une nouvelle partie un peu laborieuse. À Clans, il y a beaucoup moins ce truc-là. Vraiment, le jeu, une fois qu'il est ancré, c'est un peu comme le vélo. Tu vas garder ton niveau de manière assez constante parce qu'il y a quand même beaucoup moins de paramètres de setup à gérer. Par contre, il y a cette interaction qui est plus forte que dans Projet Gaïa et qui fait que tu as cette rejouabilité presque infinie, quoi. Donc voilà, Clans of Caledonia, j'adore. Et mon cinquième. Et là, peut-être que certains vont être surpris parce qu'il y a un nom qui manque. Alors là, c'est un peu bizarre parce que c'est la boîte spéciale. C'est Marvel Champions, en fait. Et c'est la boîte X-Men, en fait, Mutant Genesis. Je sais pas si on voit bien là. Hop. Voilà. Et donc, on voit. Donc ça. Ce n'est que un cinquième de mon pool de cartes depuis le début. Donc là, vous voyez, on s'est amusé à faire des petits intercalaires et tout. On a quatre boîtes de jeux, c'est ridicule. Ça prend une place de ouf. Mais voilà, c'est dire à quel point j'aime ce jeu. J'avais fait une petite pause avant la sortie des X-Men. Donc c'est un jeu en coop, Marvel Champions. Voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. C'est un jeu en coop par les créateurs du Seigneur des Anneaux, du coop aussi, LCG. Et en fait, c'est un jeu de cartes évolutif en coop, un peu comme Horror Arkham aussi. J'avais fait une petite pause, je disais, avant X-Men, parce que bon, voilà, au bout d'un moment, t'as l'impression, enfin, t'en fais pas le tour quand même, parce qu'il y a tellement de héros et tellement de vilains qui sont sortis. Mais en tout cas, en termes de système de jeu, ça commençait à devenir un peu redondant, et puis je trouvais que la boîte Spider-Man, notamment, avait mis des héros vraiment trop faciles, encore une fois, des héros un peu trop craqués. Et j'ai tendance à pas trop aimer le power creep qu'a le jeu. Donc power creep, c'est en gros monter la puissance des cartes au fur et à mesure et donner de plus en plus de puissance aux joueurs. Et sachant qu'en face, les vilains, ils avaient du mal à les faire suivre en fait. Et donc bah, je trouvais que notamment avec le cycle Spider-Man, c'était allé un peu trop loin. Donc j'avais fait une petite pause à ce moment-là. Et la boîte X-Men est incroyable pour deux raisons. Déjà dans... Bah, ils ont stoppé un peu ce power creep des héros. Donc les héros sont vraiment à nouveau plus équilibrés et ont des mécaniques vraiment intéressantes. Les vilains, ils ont réussi aussi à leur mettre des mécaniques à la fois pas trop fortes. Ce qu'ils ont un peu craqué sur Expert 2, ils ont essayé, ils ont sorti un module Expert 2 avant X-Men pour essayer de compenser le power creep des héros. Mais du coup, ça fait qu'en fait, ce Expert 2, tu peux le jouer qu'avec des héros complètement craqués. Si tu joues avec des héros normaux ou un peu plus faibles, c'est totalement injouable. Et vraiment, ils ont utilisé des mécaniques que j'aime pas du tout, notamment pour enlever le sonnet et le désorienté. Enfin, c'est allé trop loin. Clairement, les cartes Expert 2 sont, c'est ridicule. Sauf si tu joues avec des héros et craqué et leadership qui est complètement craqué aussi. C'est une des affinités du jeu avec lesquelles tu peux builder ton perso. Mais voilà, tout ça pour dire qu'avec X-Men, ils ont réussi deux choses, à la fois rééquilibrer le jeu et à la fois à le rendre accessible pour des nouveaux joueurs. Donc c'est-à-dire que tu peux commencer quasiment avec la boîte de base et X-Men. En plus de ça, évidemment, X-Men, bon ben voilà, moi dans Marvel, clairement, je pense que c'est mon univers préféré. Donc clairement, ça c'est très cool aussi. Et puis ils ont réussi vraiment, comme je dis, à créer des nouvelles mécaniques de vilains très intéressantes, des nouvelles mécaniques de héros très intéressantes aussi. Donc il y a vraiment les héros que tu vas préférer ou pas. Et tous sont vraiment très intéressants mécaniquement. Et en plus de ça, ils ont sorti un pack vilain qui est Mojo Mania, qui a trois nouveaux méchants, qui coûtent 18-20 balles, je crois, qui sont en dehors de la boîte de luxe.
et qui, pour moi, a vraiment créé les méchants les plus intéressants du jeu, quasiment. En tout cas, c'est le cycle de trois méchants le plus intéressant du jeu. Et voilà, ça a complètement relancé mon intérêt pour le jeu. Et clairement, sur une île déserte, bah, je prends tous les cycles de tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et notamment X-Men. Ils sortent une nouvelle boîte de luxe d'ailleurs, donc j'espère partir avec elle avant le post-apo. Donc sortez-la avant. Ça sort en août, donc à partir de septembre, on peut avoir la fin du monde. Il y a zéro souci. Mais voilà, cette boîte, j'ai vu là les spoilers qui étaient sortis, et ça a l'air incroyable. Il y a Cable notamment. Donc là, ils rajoutent des manigances annexes pour les joueurs, un peu ce qu'ils ont fait sur les quêtes secondaires sur Seigneur des Anneaux. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant à Marvel Champions, c'est qu'ils l'ont simplifié par rapport au Seigneur des Anneaux, clairement. Il y a un feeling de jeu très différent aussi, mais on sent qu'ils ont bénéficié de l'expérience qu'ils ont eue sur Seigneur des Anneaux, qui pour moi est excellent, mais a quand même beaucoup de problèmes, notamment liés au dosage de la difficulté. Il y a vraiment des héros, des associations de héros, des decks complètement craqués, avec des scénars qui n'arrivent pas à suivre. Du coup, quand tu joues avec des decks normaux, tu as des scénars parfois beaucoup trop durs, donc ça te force à jouer des associations et des decks un peu craqués, mais qui du coup sont trop craqués, même pour les scénars trop durs. Donc voilà, c'est un jeu qui a une difficulté très, très dure à équilibrer un peu soi-même, parce qu'en fait, dans les jeux coop, t'es un peu obligé d'équilibrer la difficulté toi-même, en fait, clairement. Et je trouve qu'on sent que sur X-Men, ils ont atteint le stade de maturité où ils ont vraiment réussi à équilibrer la difficulté entre les héros et les méchants, et tout en rendant ça mécaniquement intéressant. Et donc voilà, là, je vois qu'avec Cable, ils ont rajouté ces espèces de side quests qu'il y avait dans Seigneur des Anneaux, et qui là sont des manigances annexes de joueurs, et t'as un héros qui joue vraiment dessus, donc hyper intéressant. Donc voilà, moi X-Men, c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup joué depuis la sortie. J'ai eu des moments où j'ai fait des pauses, parce que voilà, comme tout jeu, il y a un moment où tu fais un peu des pauses. Et c'est un des seuls jeux que je joue en solo, que j'ai joué en solo, qui est vraiment très agréable en solo. Donc voilà, si tu te retrouves à un moment dans une situation où tu te retrouves en survie tout seul, bah voilà, il te faut ton Marvel Champions, parce que sinon tu vas te faire chier. Bon, je pense que tu auras d'autres problèmes quand même à ce moment-là, parce que il va quand même falloir chercher de la bouffe et de l'eau et pas se faire attaquer par des gens de droite, hein, bien sûr, en général. Mais voilà. Marvel Champions, incroyable. C'est un jeu que j'adore en solo et à deux. Et c'est un jeu qui encore va faire découvrir de nouvelles options de jeu. Et donc voilà, il en manque quand même un, je pense, pour les gens qui me connaissent. Ça va être Terraforming Mars. Pourquoi j'ai pas mis Terraforming Mars? Bon, clairement, ça serait mon sixième, on va pas se le cacher. Mais j'ai tellement joué en fait. Regardez l'état de ma boîte. Ma boîte ne ressemble plus à rien. J'ai toutes les optimisations. J'avais gagné des tuiles 3D en tournoi. Bon, elles sont protégées les cartes. J'ai même des plateaux que j'avais achetés à quelqu'un qui sont hyper bien. C'est des plateaux faits main et tout, je crois, à l'acrylique, tout ça. Ça m'avait coûté la blinde, je crois que ça m'avait coûté 50 balles les 5. Mais c'est vachement bien, moi je l'ai trouvé assez stylé. Je jouais qu'à ça de toute façon à ce moment-là. Donc acheter un nouveau jeu ou ces plateaux à 50 balles, un nouveau jeu auquel j'avais pas joué. Voilà, j'ai plus de 300 parties sur le jeu sans problème. J'ai eu ma période pendant un an, comme je disais, je ne jouais qu'à ça. Mais le truc, c'est que j'ai tellement joué en tournoi que. Bah en fait, j'ai trop joué tout simplement. J'en ai un peu fait le tour. Et puis, il a quand même des problèmes déjà. Premièrement, moi je trouve que le système, le jeu ne se joue que jeu de base avec Prélude à 4. Donc ça limite quand même pas mal les options. C'est comme ça qu'il se joue en tournoi en fait, en phase de poule de tournoi. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris l'habitude de le jouer. Je trouve qu'à deux, le jeu c'est juste de la pose de cartes sans aucune tension. La fin de partie met tellement de temps à venir. En fait, le problème c'est que les paramètres pour finir la partie sont les mêmes à 2, 3, 4. Donc du coup, moi j'ai pris un peu l'habitude du rythme à 4 qui est vraiment très agréable. Par contre, il faut y jouer qu'avec des gens de même niveau de jeu. Sinon, il y a des phénomènes un peu de kingmaking, de rush et tout qui sont pas très intéressants. Alors que vraiment, quand tu joues à 4 joueurs de à peu près même niveau, ou en tout cas qui connaissent bien le jeu, qui connaissent le jeu de la même manière, t'as pas de phénomène de kingmaking autour de la draft, autour des attaques, tout ça. Donc voilà, c'est quand même vraiment plus agréable. Et puis là, l'autre souci, que les extensions du jeu, donc il y a les deux maps aussi, les deux nouvelles maps qui sont vraiment très cool. Ça, il n'y a pas de souci. Venus, c'est sympa. Ok, elle rajoute des cartes, elle rajoute une piste, ok, rien de ouf, mais elle est sympa.
Par contre, Colony, elle craque complètement le jeu, c'est n'importe quoi. Déjà, elle change complètement la méta du jeu, d'une manière que j'aime pas trop, notamment en favorisant trop l'énergie pour aller faire les colonies, puisque les colonies, ça devient vraiment trop indispensable. Donc sans énergie, bah tu peux quasi rien faire. Donc l'énergie devient vraiment trop impactante dans le jeu. En plus de ça, il y a un tas de cartes complètement déséquilibrées, il y a des colonies complètement débiles. Les Joviens, ça devient n'importe quoi. Les lanternes Joviens, c'est complètement craqué. C'est très problématique. Moi, je peux pas jouer avec Colony. C'est trop problématique, je trouve. Et alors, du coup, c'est vrai qu'à la Coupe de France, moi, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que là, toute la phase de poule se fait sur jeu de base Prélude. Je crois qu'il y avait les changements de map aussi. Donc ça, ok. Mais par contre, après, à chaque nouvelle phase, à partir de la phase de qualif, ils rajoutent une extension. Donc une méta qui change en plein dans un tournoi, je comprends pas, ça n'a aucun sens pour moi. Et sachant qu'en plus Colony, je trouve qu'elle est beaucoup trop problématique, surtout en tournoi. Donc voilà, Colony, j'aime pas du tout. Et Turmoil, c'est un peu l'extension chelou qu'ils ont sorti en dernier. Pourquoi chelou? Parce qu'en soi, elle est très bien. Moi, mécaniquement, je la trouve vraiment très intéressante et tout. Le problème, c'est qu'elle te rajoute 1 heure de jeu, presque. Ou en tout cas 3 quarts d'heure, et qu'elle change complètement le jeu et sa dynamique en fait. Donc c'est un jeu radicalement différent. Et du coup, c'est vrai que bah, y a un peu ce truc de tout le monde en a fait 3-4 parties, voire 5, et Coupe d'un monde, tout le monde l'a rangé, bah, parce que dans, t'as envie de jouer à Terraforming Mars pour jouer à Terraforming Mars, pas pour jouer à un jeu différent. Et en plus de ça, bah, le jeu est plus long. Donc pareil, t'as pas spécialement envie de le sortir pour jouer plus longtemps. Sachant qu'à 4, c'est un jeu quand tu le connais très bien, il fait 1 heure et demie grand max. Donc c'est vrai qu'il a ce truc vraiment très cool de soit d'enchaîner 2 parties d'affilée, soit de l'enchaîner après un autre gros jeu. Donc voilà, c'est un peu. Et comme le jeu est un petit peu. Bah voilà, il aura plus de nouvelles extensions, maintenant ils sont partis sur d'autres jeux et tout. Bah il y a un peu ce truc qu'il n'y a plus vraiment d'incitation à le ressortir en fait, parce que le jeu n'a plus vraiment de vie en tant que tel. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais j'avoue, j'ai quand même des re-envies d'y rejouer. J'ai rejoué à l'appli Steam quand j'étais parti en voyage la dernière fois, et c'est vrai que, bah voilà, je kiffe quand même toujours le jeu, donc c'est très dur de pas l'amener. Mais voilà, j'explique un peu pourquoi, quand même, entre le fait que j'ai énormément joué, et le fait que, bah voilà, niveau extension, déjà, il y en a plus de nouvelles, et puis les 2 dernières, pour moi, sont très décevantes. Donc voilà. Terraforming Mars, je l'ai pas mis. Cette liste qui a été dure à faire. Balancez-moi la vôtre, évidemment. Elle va être forcément subjective, mais bon, balancez-moi la vôtre, un peu pourquoi. Ça peut être assez intéressant de voir un peu les listes de tout le monde. Je pense que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi on rejoue au jeu et pourquoi on les garderait. Et si, voilà, on devait avoir des choix à faire, lesquels ça serait? Je trouve que c'est assez intéressant comme question à se poser. Donc voilà. Évidemment, abonnez-vous, on est bientôt aux 3000 abonnés, et puis il faut faire péter les scores, il n'y a pas. Voilà. Et puis le pouce bleu, évidemment, ça aide pour le référencement YouTube. Venez sur le Patreon si vous voulez soutenir la chaîne, c'est un peu que comme ça que je peux générer des revenus. Et puis voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao!